Ouais, bonjour Christian, bah, je suis content de te voir pour les 28e boucles Sud-Côtoises 2016, le 12e relais. Hein, nous allons accueillir 174 équipes, on a battu le record, 176 même, donc on est vachement content. Hein, ça sera un parcours, le relais, j'explique un peu le fonctionnement pour les gens qui regarderont cette vidéo sur le site que tu nous mets à disposition. Donc c'est trois coureurs qui courent 3,5 km chacun et le quatrième tour, ils le courent les trois ensemble. Donc c'est une course individuelle et en même temps par équipe, donc c'est superbe. On espère que tout va bien se passer, que les gens seront heureux, mais par voir l'enthousiasme des gens qui s'inscrivent sur notre site, on est vachement content déjà, c'est pleinement une réussite et on souhaite que l'année 2016 va être un marquant pour notre course l'année prochaine. Regardez, on est à 7 minutes de départ, 7 minutes et demie, et nos jeunes gens et jeunes filles des catégories poussins, poussines, sont déjà prêts à démarrer. Et les garçons et les filles, vous avez encore un petit peu de temps. Hein. 28e édition de la course de Zuidcote. Jeu, c'est parti. Allez, en voiture Simone. Et voilà, avec une ouverture par nos anciens Zuidcote. Bon, ah, la première demoiselle, elle m'est passée sous le nez. 688, c'est la seconde des Clara Gilots. J'ai pas eu le temps dans la première. C'est une athlète du CACB qui est venue en nombre une nouvelle fois ici. Bravo les garçons, bravo les filles. Autre demoiselle du CACB qu'on salue ainsi que sa présidente, Marie-Francis. Voilà, c'est bien.
Allez, Alain. C'est dur, hein. C'est ça, le 129, il est où? Il est où le 129? Le 129, lève la main! Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, le deuxième a abandonné, mais on est quand même pas vache. Hein. On va les laisser courir jusqu'au bout. Allez, allez, 153 qui passent le démarrage. Allez, ils sont partis! Ils sont partis! Allez, à droite Alain, vous mettez à droite s'il vous plaît, attention, attention. Les coucous c'est nous. Allez, les 120 et autres. Quand vous avez fini, vous vous mettez sur la droite, vous sortez du parcours. Ils sont avec nous aujourd'hui pour participer à cette nouvelle édition, 28e édition. Alors qu'on salue le passage de l'équipe 132, les Fitnessa 1. Nickel Chrome, les ambulances. Il est bien au chaud, il écoute la radio dans sa voiture, c'est merveilleux. Et c'est wonderful. Le département du Nord, Comilogue, le Crédit Mutuel, l'Action Ambulance. Des partenaires, le corps de la CIO aussi. De cette 28e édition, les voici. Ils se congratulent déjà. Équipe 160, Emiron 1, tous ensemble dans le couloir d'arrivée. Emiron 1 qui vient enlever la palme ici, qui prendra donc la première marche du podium. On le félicite. 65, Emiron 6. Emiron qui est venu justement avec 6 équipes sur les voleurs. J'ai pas le dossard, je vois pas le dossard, il est derrière. Le 4. Voilà, les 56, ils sont ensemble. Ils sont 3. Voilà, il faut laisser passer là. Ah ouais, effectivement. Ouais. Voilà des. Oula, 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 oula.
Elle l'aura été pour vous, elle l'aura également été pour nous, qui étions du comité d'organisation. Et je voudrais à ce titre qu'on remercie, qu'on félicite et qu'on applaudisse les 80 acteurs qui ont accompagné Gérard Cordier, tous les gens de Cap sur la forme, les secours, quels qu'ils soient, enfin bref, les 80 à 90 acteurs qui ont participé à cette 28e édition de la course des 8 côtes. Moi, j'invite l'ensemble des clubs, en l'occurrence le nôtre, Gérard, à inciter les jeunes à venir courir parce que malheureusement, on vieillit et ça passe très vite. Voilà. Merci beaucoup au Cap sur la Forme parce qu'on a encore eu une superbe course. On a eu de très belles choses, les gens, je pense que tout le monde est content. Donc voilà, félicitations à tous et je te laisse le mot, final, Gérard. Du soleil, de l'animation, des belles courses beaucoup plus serrées que d'habitude puisqu'on n'avait pas vraiment... des équipes comme habituellement qui sont d'un niveau supérieur où ils font vraiment le trou, donc c'était beaucoup plus ouvert. Donc on va essayer d'aller vite à la remise des récompenses. Est-ce que on va commencer par les cadets, les écoles on les finira après parce qu'il y a 2-3 écoles, mais il y a Eric et puis il va rester boire un verre avec moi, donc il n'y aura pas de soucis. Non. Et dernièrement, j'ai vécu avec vous, avec ceux qui organisent, à Coudekerque, une chose que je trouve honteuse. Honteuse plus que malheureuse, mais surtout honteuse. Et je tenais à vous la faire savoir. Je vois notre vice-président Pierre-Marie Libert qui est là, notre secrétaire Eric Bez qui est là, ils savent déjà de quoi il s'agit. Je vais vous donner le truc. Des gens ont trouvé le moyen de participer aux épreuves. En l'occurrence, c'était une épreuve, celle de Coudekerque, peut-être la première. En ne réglant pas le droit d'inscription qui est aléatoire, je pense que 5-6 euros, ça ne va pas vous tuer, la preuve, vous êtes des milliers à venir courir. En ne payant pas le droit d'inscription, en rentrant dans le couloir d'arrivée et en partant avec le cadeau récompense qui vous est remis à tous et à toutes. Je trouve ça monstrueusement scandaleux. Voilà Marie qui va rester avec nous sur le podium et qui reçoit sa récompense. Voilà, trophée, la récompense qui va bien. Voilà Marie, tu t'approches un tout petit peu ici, voilà, bouge pas. Monsieur le maire qui reçoit également sa récompense alors que se présente. Voilà Alexandre donc qui nous a rejoint. Il est succédé par cet attendant qui vient prendre donc la troisième place, qui reçoit sa récompense de Cap sur la Forme. Et nos jeunes amis qui reçoivent les applaudissements du public. Jérôme Roquet, Benoît Lauten, Jimmy Mass. Sont-ils là? En voilà deux, en voilà trois. C'est la première équipe composée, effectivement. Il y a un espoir et deux seniors. Et on salue bien évidemment le président du syndicat intercommunal des Lunes-de-Camp. J'ai cité M. Paul Christophe, maire de Zutkeup, momentanément absent. Les Maus costauds. J'ai cité. Ouais, on peut, effectivement, on va les faire monter. Les Maus costauds sont composés de Laetitia Fouché, de Nina Ouattara et de Sophie Mulès. Master 1 féminin. La première équipe que nous allons accueillir, avec mon accent d'un carquois, les Christine and the USA Queen. Eh, c'est presque ça. Hein. Ne sont-elles pas belles nos Gabriel Volanti, Anne Jacob et Christine Deboum. Monsieur le maire qui se régale de plus en plus. Ah, il aime bien. Attends, j'appelle Paul. Paul, c'est bon. Thank you.